Au cours de cet atelier d'information et de renforcement des capacités, les professionnels des médias ont été sensibilisés sur l'agenda 2030 des Nations Unies qui comporte désormais 17 ODD, objectifs de développement durable, subdivisés en trois secteurs à savoir l'environnemental, le social et l'économie. Par ailleurs, le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme a été marqué au cours de cet atelier par le principe El Nob qui implique de ne laisser personne pour compte. La session d'information était liée principalement autour de la question des droits humains parce que cette année, c'est le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sera le 10 décembre. Mais j'ai aussi informé que c'est un document le plus traduit au monde. Avant, c'était après la Bible, mais maintenant, je pense que c'est avant la Bible. Et c'est un document qui a permis qu'on ait toutes les conventions internationales qui existent maintenant, que le Congo a d'ailleurs pas mal ratifié. Le Congo a ratifié 8 de ces 9 conventions. L'échange sur le rôle des journalistes dans la cohésion sociale et les principes de base de la gestion axée sur les résultats était également au menu de cet atelier de renforcement des capacités des journalistes.